Bonjour à tous et bienvenue dans Fight Cube, l'émission qui voit s'affronter 32 créatures de Minecraft. Jusqu'au 9 septembre, découvrez 3 nouveaux combats chaque vendredi à 18h30. Le principe est simple, la créature qui gagne est qualifiée pour l'étape suivante et celle qui perd est éliminée de la compétition. Et à la fin, il ne restera qu'un. Ça c'est Koh-Lanta, hein. On s'en fout, nous ça marche pareil. Au commentaire, vous pourrez retrouver Thierry. Bonjour. Et Michel, moi-même. Voici la grille de la compétition. Et sans plus attendre, passons aux 3 premiers combats des 16e de finale, la foule est en délire! Le premier combat opposera le terrible ours blanc à la chèvre des montagnes, mais pour vous, qui va gagner Thierry? Alors écoutez, j'en ai aucune idée, mais ça va être un combat acharné. Oh que oui, vous l'avez dit ça Thierry. Oh et le combat vient de commencer, c'est fou! La chèvre ne peut rien faire, l'ours est déjà trop fort, regardez, en 2 coups de patte, c'est terminé! Eh oui, regardez, la chèvre a été battue à plat de couture! Bon écoutez, Michel, on peut dire qu'il y a eu un sacré coup de patte, hein. Je vous fais pas dire Thierry, en tout cas, ce fut très rapide, et regardez l'ours qui va tout droit en 8ème de finale, bravo à lui. Ce sera un adversaire redoutable. Et le second combat, c'est tout de suite, le squelette contre le fantôme. Je vois bien le squelette finir la peau au fantôme, Michel. Écoutez, on va savoir ça dans quelques instants, ils ont l'air en tout cas déterminés. À la place de déterminés, j'aurais plus dit déterré, hein, parce qu'oubliez pas qu'il y a un squelette ici. Oui, vous avez raison, autant pour moi. Et c'est parti, le combat commence déjà, attendez, le squelette qui va et le fantôme ne fait rien, le fantôme ne fait rien, le fantôme a déclaré forfait de l'impression, il se laisse faire. Mais c'est terrible, Thierry. Oui, écoutez, je pense qu'il sait déjà que c'est perdu. Et oui, le squelette qui vient de remporter par forfait. Bravo à toi, il passe au 8ème de finale. Bon, ce fut facile quand même, ce fut facile. Et le dernier combat pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, opposera le zombie noyé à la sorcière. Écoutez Michel, je pense que la sorcière va renvoyer le zombie noyé dans son bain, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Moi, je resterai sur mes gardes si j'étais la sorcière quand même. Fight. Et le dernier combat de l'émission commence et c'est parti, le noyé qui commence déjà à attaquer alors que la sorcière ne fait rien, elle a juste lancé une potion qui n'a complètement rien fait au noyé, c'est désastreux, elle ne peut rien faire, elle essaie de se soigner, petite temporisation pour le noyé qui au final gagne le combat, aisément, bravo à vous. On peut dire qu'il l'a battu à plat de couture. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission, Thierry, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette émission? Bon bah écoutez, je pense que c'était trop facile pour certains candidats, on verra la semaine prochaine comment se débrouilleront les autres candidats, j'ai très hâte de voir ça. Et c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, on vous signale que mercredi prochain, vous pourrez voter sur Instagram, Twitter et Discord pour parier qui seront les gagnants des 3 prochains combats des 16e de finale. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Et que la force du Fight Cube soit avec vous.